à chaque signe astrologique sa réputation. Certains signes astrologiques sont ainsi considérés comme les plus intelligents, d'autres les plus menteurs. Certains ont la réputation d'être plus à même de ne jamais se marier, quand d'autres vous briseront le cœur. Alors forcément ces réputations qui leur collent à la peau font que certains signes du zodiaque sont plus aimés que d'autres. Et d'autres sont même carrément les plus détestés des signes astrologiques. Qui sont ces mal-aimés? À chaque signe son ennemi. Mais certains reviennent souvent dans la liste des némésis de chacun. Ils sont les mal-aimés du zodiaque, et ce compte nombre de 3, à croire le sondage réalisé par Le Bonbon. En pole position, on retrouve sans grande surprise, le scorpion. Le signe d'eau est bien difficile à cerner, comme ses compères de l'élément eau, poisson et cancer. Il faut dire que leur signe est le plus intense et il peut parfois avoir envie de se plaindre, et d'autres jours avoir envie de tout casser. Lorsqu'il décide de se venger, ce dernier ne le fait pas à moitié. La complexité des natifs de ce signe le place donc en tête de la liste des plus détestés du zodiaque. Et les personnalités, le roi Charles III, Jennifer, Florence Foresti, Lena Situation, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté. C'est le Gémeaux qui suit. Sans grande surprise là non plus puisque ce signe double est considéré comme le plus manipulateur et menteur du zodiaque. Capable d'être double face, il a bien du mal à être cerné par son entourage. Là encore, la complexité de ces êtres peine à les rendre appréciables aux yeux de tous. C'est l'instabilité, le côté lunatique et le besoin de séduction qui font du Gémeaux l'un des plus détestés du zodiaque. Ben Attal, Jean Dujardin, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe. Enfin, en troisième position vient le poisson. Le rêveur et mystique poisson a tendance à être peu accessible aux autres. Et si certains ont la chance de percer le mystère et bénéficier de cet être si bienveillant, d'autres le voient comme un rêveur qui ne redescend que peu sur terre. Chez les poissons célèbres, Justin Bieber, Pierre Niney, Rihanna, Stromae, Leila Becky ou encore Eva Mendes et Camila Cabello. Et en quatrième, on retrouve naturellement le troisième signe d'eau, le cancer. L'émotivité de ce dernier est bien sûr la cause de cette haine. Parmi les cancers célèbres, Mélissa Theriot, Charlotte Gainsbourg, Vincent Lindon, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani, Laetitia Milo, Diane Kruger et Philippe Lachaud.